cet album de Bob Dylan, Street Legal, qui a été un album assez, disons, très peu apprécié par la critique. L'éreintement de Graham Marcus est sans pitié. Il écrit, après la sortie du disque, que les chansons sont... On entend ? Oui, oui. Ah. Que les chansons sont des paroles en l'air, que la qualité de la production est médiocre, la musique jouée d'une façon indifférente, la voix de Dylan est fausse, les chansons mauvaises, pleines de misogynie et creuses. Donc Dylan est accusé d'avoir fait un disque commercial, d'avoir pris The Route to Las Vegas. Selon les critiques, Street Legal est aussi l'un des disques les plus autobiographiques de Dylan, dans lequel il exprimerait sa propre aliénation, son sentiment de perte, d'exil. Et les 16 Years, avec lesquels commence la chanson Changing of the Guards, le titre d'ouverture du disque, est une référence au temps écoulé depuis la parution de son premier disque en 1962. Et donc la chanson et l'ensemble de l'album peuvent être interprétés comme un bilan existentiel. Sans vouloir donner une interprétation trop biographique de l'album, il est indéniable que les chansons de Street Legal sont dominées par un sentiment de désespoir, de débandade, de confusion, d'attente. Tous sentiments qui vont trouver une solution dans le message de foi chrétienne dans les trois disques successifs, Slow Train Coming, Saved and Shot of Love. Il s'agit donc d'un travail dans lequel Dylan non seulement trace un bilan, mais il annonce aussi un changement, une transition, un changing of the guards. On y trouve certains échos de son disque précédent, Desire, et des anticipations des disques chrétiens des années 79-81. Street Legal anticipe la trilogie chrétienne, tout d'abord au niveau musical, avec l'introduction d'éléments gospel et l'introduction d'un chœur de trois voix noires. Mais il les anticipe aussi au niveau de l'imaginaire religieux et poétique. Même si Street Legal est un disque mineur dans la production de Dylan, les chansons de Street Legal sont particulièrement intéressantes pour explorer la thématique du mythe et de l'imaginaire religieux. Et d'ailleurs, c'est souvent justement dans les ouvrages mineurs qu'on saisit mieux certaines choses. Walter Benjamin said that, aurait dit Bob Dylan. Alors, je voudrais commencer. Là, vous avez la couverture et les titres des chansons. Mais je voudrais vous lire un passage de Robert Shelton, qui a été cité plusieurs fois tout à l'heure par Philippe, à propos de Desire. Mais dans ce passage, il y a des choses qui nous intéressent aussi pour mieux comprendre Street Legal. Shelton dit, Desire is a giant step forward in the breadth of his mythological thinking, moving toward a summation of themes that have long absorbed him. Apocalypse, personal or societal, identity, the hero's quest for love, knowledge, redemption, liberation. He deals here with manifold myths of justice, of the outsider, hurricane, and joy, of the woman who suffers love and offers renewal, Isis and O Sister, and of life as a movie, Romance in Durango and Black Diamond Bay. Dylan has shuffled his tarot cards like a diviner, melded his old preoccupations with new, made the Egyptian oracle Island of Pharos as contemporary as a TV show. Donc, ces mêmes thèmes mythologiques et ces mêmes stratégies de composition poétique dont parle Shelton sont développées par Dylan aussi dans Street Legal. On peut le vérifier facilement dans les textes. Si on prend par exemple l'imaginaire apocalyptique,
Il est question dans la première chanson, Changing of the Gods, du paradis de l'Éden qui brûle. Eden is burning, qui est une référence à un verset de l'Apocalypse 8-7 que vous avez là dans la King James Bible et dans la traduction française. Ce n'est pas la peine de tout lire, c'est juste pour vous montrer. Il est aussi, Saint John est mentionné explicitement dans une chanson du disque, Where Are You Tonight? Et dans Changing of the Gods, on trouve aussi une Cold Blood Moon et dans une autre chanson, No Time to Think, nous avons aussi une Moon Shining Bloody and Pink. Il s'agit là encore de citations de l'Apocalypse 6-12 que vous avez là et qui à son tour est une allusion à un prophète Joël 3-4. Mais cette accumulation de symboles qui caractérise beaucoup de chansons de Street Legal ne permet pas de repérer des références univoques derrière chaque figure symbolique. La lune que j'ai associée à l'imaginaire biblique ancien et nouveau testamentaire pourrait aussi en même temps faire allusion à la mythologie égyptienne. La lune, en effet, est assimilée à Isis, la divinité qui donne le titre à l'une des chansons de Desire et qui apparaît dans la carte des tarots publiée sur le disque, la couverture, non pas la couverture, mais je ne sais pas comment on appelle ça, le derrière du disque. On a cette carte de tarot et le personnage d'Isis revient, la divinité d'Isis revient dans Street Legal, par exemple dans Changing of the Gods. Le nom de Isis n'est pas mentionné explicitement, mais là, par exemple, on a un personnage féminin, They Shave Her Head, donc auquel on a coupé la chevelure et le personnage qui dit « je » dans la chanson ne peut que suivre ce personnage féminin. Vous voyez dans le dernier vers « follow her down past the fountain where they lifted her veil » et le dévoilement d'Isis est l'un des motifs typiques de la tradition ésotérique pour indiquer le dévoilement des secrets de la nature et la découverte de la vérité de la part de l'initié. Et le personnage d'Isis peut se cacher aussi derrière ces deux vers de notre chanson du disque, No Time to Think, Judges will haunt you, the country priests will want you, her worst is better than best. Cette image de la prêtresse renvoie à une autre carte des tarots dans une édition célèbre, celle que Dylan a utilisée pour la couverture de Desire, l'édition Rider White, avec les dessins de Pamela Coleman-Smith. Les critiques ont déjà plusieurs fois rappelé l'importance des tarots pour Dylan à cette époque et pour Street Legal en particulier au niveau de la technique de composition poétique et aussi au niveau du répertoire d'images et de symboles. Des chansons comme Changing of the Gods ou No Time to Think semblent en effet la description d'un jeu de cartes de tarot éparpillé sur une table face à l'auteur, avec leur frénétique alternance d'images juxtaposées. Ce qu'on n'a pas dit, à ma connaissance, c'est que les tarots sont importants aussi au niveau idéologique
en tant que reflet du syncrétisme de la mythologie de Bob Dylan à cette époque. L'iconographie des tarots est en elle-même un mélange de syncrétique d'éléments chrétiens, juifs et païens, notamment égyptiens. Prenez par exemple cette carte-là, The High Priestess. Là, on voit une femme avec une robe bleue qui foule au pied un croissant qui a une couvre-chef, une espèce de tiare qui est très proche du diadème d'Isis, avec une croix sur la poitrine et un rouleau dans ses mains avec cette inscription Torah, bien sûr référence à la Torah, mais aussi un anagramme de tarot. Et elle se trouve assise entre deux colonnes avec deux lettres B et J. Ce sont les deux colonnes du temple de Salomon, Yachin et Boaz. Et entre les deux colonnes, vous voyez un voile avec des pommes grenades et des palmes, des palmiers, qui est une référence au voile d'Isis, dont l'origine remonte à un passage de Plutarque, des Isidées et Osirides, dans lequel Plutarque parle donc d'une statue d'Athéna identifiée avec Isis, cette possibilité qu'ont les polythéistes de traduire les noms des dieux. Et il y a une inscription sur cette statue qui dit « Je suis tout ce qui fut, ce qui est, ce qui sera, et aucun mortel n'a jamais soulevé mon voile, peplum. » Et disons la référence au voile d'Isis, on la retrouve dans le livre de la célébrissime Madame Blavatsky, qui s'intitulait justement « Isis Unveiled, a Master Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology ». La recherche de la vérité est l'une des préoccupations majeures de Bob Dylan, et Strict Legal ne fait pas exception. Cette recherche se présente comme un voyage initiatique ponctué de dangers. Dans la chanson « Where are you tonight? Journey through dark heat », Dylan chante « The truth was obscure, too profound and too pure. To leave it, you have to explode. » Et l'une des questions que le personnage qui dit « je » pose au mystérieux Seigneur dans la chanson qui porte ce titre, Seigneur, et justement, is there any truth in that, Seigneur? Je voudrais, dans le temps qui me reste, parler un peu plus en détail de cette chanson, Seigneur. Je donnerai quelques éléments, je ne prétends pas, clarifier tous les détails. Là, vous avez le texte. La chanson se compose de sept strophes. Les quatre dernières sont sur notre page. Mais je voudrais d'abord vous faire écouter juste la première pour ceux qui n'ont pas entendu encore. Señor, can you tell me where we hit? Lincoln County Road or Armageddon? Seem like I've been down this way before. Is there any truth in that, Señor? Dommage de la couper, c'est mieux d'écouter Bob Dylan que les discours autour de Bob Dylan. Alors, cette chanson présente des analogies avec Isis, non seulement pour le motif du voyage initiatique, mais aussi
pour l'ambiguïté sur l'identité du personnage qui dit « je » dans la chanson. Le cadre narratif, bien qu'obscur, on peut quand même le deviner. Ce personnage qui dit « je » voyage en compagnie d'un seigneur dans une zone de frontière et ils vont à Lincoln Country Road ou Armageddon. Lincoln Country Road est, une route dans cette comté dans le New Mexico. Et Armageddon est un lieu de l'Apocalypse, le lieu de la bataille finale entre le bien et le mal. Et Dylan aime souvent rapprocher dans sa géographie des endroits réels avec des endroits mythiques. Il le fera aussi dans Blind Willie McTell, All the Way from New Orleans to Jerusalem, mais dans les versions live, il dit souvent New Jerusalem, donc avec encore une allusion à une époque eschatologique. Donc la recherche de la vérité dans ce paysage désolé, dans ce désert, et le long de la frontière entre salut et perdition, se confondent avec la recherche d'une femme, on la retrouve dans la deuxième strophe, qui se cache, qui est inatteignable pour le protagoniste. La chanson, je vous montre la suite si vous voulez lire le reste. La chanson a été interprétée dans les façons les plus différentes. Christopher Ricks l'a définie comme « a song of religious politics, a judgment hymn ». Bon, la dimension religieuse est explicite, mais la dimension politique est moins, l'est moins. Peut-être la référence dans le sous-titre de la chanson qui est Tales of Yankee Power, la référence au Yankee Power, a orienté les interprétations vers, disons, le contenu historico-politique. On a parfois proposé de voir dans la chanson une référence à la guerre entre le Mexique et les États-Unis et comme une dénonciation de l'impérialisme yankee, de l'impérialisme américain. Mais personnellement, je ne pense pas que cette interprétation soit la plus plausible. Quant au Yankee Power, je pense qu'on peut l'expliquer différemment, mais avant de vous proposer mon hypothèse sur le titre, on peut voir ce que Bob Dylan lui-même dit à propos de cette chanson. On a plusieurs témoignages, notamment des introductions à cette chanson dans les concerts qui ont suivi l'apparition de l'album, donc en 1978. Le 15 décembre 1978, à Lakeland, Florida, Dylan, en introduisant cette chanson, dit « I was riding on a train one time from Durango, Mexico to San Diego. I fell asleep on this train. I woke up about midnight and a lot of people were getting off the train. The train was in the station, pulling up to the platform at a place called Monterey. So a bunch of people were getting off the train. Onto the platform, the steps, this man gets up to the train. Everybody else gets off. He came down the aisle and took a seat across the aisle from me, wearing nothing but a blanket and a derby hat. So I was sitting there. I felt a very strange vibration. I was staring into the window, which was like a glass mirror. And I could not help myself any longer. I had to turn around and look right at this man. When I did, I could see that his eyes were burning and there was smoke coming out of his nostrils. I immediately knew this was the man I wanted to talk to. So I turned around to the mirror for a while to figure out something to say. And when I had it all together, I turned around and he was gone. Ce cadre narratif est répété par Dylan dans d'autres concerts de la même année. Parfois, il présente ce mysterious man comme quelqu'un qui connaît tout,
Knows Anything. Et il présente la chanson comme le contenu de du dialogue entre lui et le Seigneur. Même si cette histoire était fausse, ce qui est très probable, elle nous permet quand même de préciser le contexte de cette chanson. Donc, le protagoniste se trouve sur un train en compagnie d'un personnage qui exerce sur lui un pouvoir magnétique et qui semble posséder des vérités inaccessibles. Alessandro Carrera a remarqué très justement que le Seigneur de Dylan présente des ressemblances avec le Don Juan des livres de Castaneda, de Carlos Castaneda, que Dylan avait lu parce qu'il en parle dans Chronicles. À propos des événements de 1968, il écrit « The fictitious Don Juan, a mysterious medicine man from Mexico, had become the new consciousness craze, had brought in a new level of awareness or life force and was wielding it like a machete. Books about him were sailing off the shelves. » Castaneda était un anthropologue d'origine péruvienne qui travaillait à l'Université de Los Angeles et qui a publié une série de livres à partir de 68 et dans lequel il raconte son apprentissage de sorcier auprès de Don Juan, un sorcier mexicain qui l'initie au peyote et à la culture yaqui, qui est le nom de la tribu auquel appartient Don Juan. Castaneda, peut-être ne dit rien maintenant à la plupart de vous, mais dans les années 70, c'était un personnage très, très célèbre et ses livres étaient vraiment, comme le dit Dylan, des best-sellers. Et tout le monde parlait de Castaneda, qui était devenu comme un gourou dans les milieux du néo-chamanisme et de la New Age, mais aussi dans les milieux académiques. Dans ce livre sur la réception de ces livres, paru en 76, il y a un chapitre qui s'intitule « Don Juan and Jesus », donc pour vous dire de l'importance qu'on accordait à la figure de Don Juan à cette époque. Dylan parle de Don Juan, donc de ce sorcier mexicain, comme un fictitious, parce qu'on a accusé Castaneda à un moment donné d'avoir tout inventé, d'avoir inventé Don Juan et d'avoir inventé les enseignements de Don Juan. Je pense que Carrera a bien vu les ressemblances entre Don Juan et le Seigneur de Dylan. Ce que Carrera n'a pas vu, dommage qu'il ne soit pas là pour en discuter, c'est que le titre même, le sous-titre de la chanson, Tales of Yankee Power, vient d'un livre de Castaneda, le dernier que j'ai mis dans la série de cette première tétralogie de livres sur Don Juan, Tales of Power, il s'intitule. En effet, Castaneda, vous voyez ici les deux premières éditions du livre. C'est intéressant parce qu'on voit l'évolution. Un livre, une couverture assez, disons, académique pour le premier de 68, et déjà celui de 74, vous voyez, il est beaucoup plus commercial. Castaneda a déjà eu un succès énorme. Alors, dans le livre Tales of Power, Don Juan distingue entre Acts of Power, actes de pouvoir, dont seulement le sorcier est capable, et de Tales of Power, auxquels le non-initié, l'apprenti sorcier, peut accéder. Donc, Yankee, et ça c'est mon hypothèse sur le sous-titre, pourrait être une déformation de Yaqui,
donc la tribu auquel Don Juan appartenait. Et le terme, on le retrouve dans le sous-titre du premier volume, Yaqui Way of Knowledge. Donc, le son des deux mots est semblable. Et Dylan déforme des mots étrangers dans ses chansons, on le sait. Par exemple, dans Just Like Tom Thumb's Blues, il parle d'un Saint Annie qui est probablement une référence au dictateur mexicain Antonio López de Santa Anna. Pourquoi mon hypothèse sur le titre? Parce que si on admet que, comme généralement on le fait, que le Yankee du titre dans l'interprétation traditionnelle est le jeu de la chanson, celui qui, le personnage qui dit « jeu », on ne comprend pas quel serait son pouvoir. En effet, il est un individu totalement perdu, délaissé, prostré, qui n'arrive même pas à se tenir debout, comme le protagoniste de « Just Like Tom Thumb's Blues » dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Dylan lui-même suggère cette condition de prostration du protagoniste dans la note qui accompagne le recueil Biograph, où on lit cette explication de la chanson. Señor was one of them border type things. Nuevo Laredo, Rio Bravo, Brownsville, Juarez. I don't know. Yeah, I know. Sort of like Lost Yankee on gloomy Sunday carnival embassy type of thing. The unforgettable wench, not a friend in the world, all messed up for something like, say, a murder charge, having to pay for sins that you didn't commit when all the while you were getting away with murder. Et ensuite, il dit une chose intéressante. Sometimes you write something because you've lived something, and you someplace along the line say to yourself, why am I writing this? It will never be as good as I live it. But then it sometimes turns out better than what you've lived. It's bigger and less precious. In some kind of way, I see this as the aftermath of when two people who were leaning on each other because neither one of them had the guts to stand up alone, all of a sudden they break apart. I think I felt that way when I wrote it. Ici, Dylan n'explique pas vraiment la chanson, il complique davantage les choses. La description, dans laquelle d'ailleurs le Seigneur a tout à fait disparu, ne coïncide pas tout à fait avec la situation de la chanson, mais elle semble se référer plus en général à une série de chansons de frontières, on pourrait nommer comme ça, auxquelles appartiennent, par exemple, outre Just Like Tom Thumb's Blues, aussi Romance in Durango, Caribbean Wind, Brownsville Girl. Señor présente des analogies avec toutes ces chansons, mais il y a un élément caractéristique qu'on retrouve seulement ici, c'est-à-dire celui de la rencontre avec le personnage mystérieux du sorcier qui possède un savoir et un pouvoir auquel le protagoniste voudrait être initié. Mon interprétation de la chanson s'appuie aussi sur ce que Dylan dit en introduisant la chanson pendant les concerts de 78. Par exemple, il dit qu'il a composé la chanson après avoir dormi pendant 3 jours. Il s'est réveillé et il a écrit la chanson d'un coup comme ça. Ou bien qu'il n'a pas mangé pendant 3 jours et il a écrit la chanson après avoir fait le jeûne pendant 3 jours. Il s'agit de le fait de ne pas dormir, de veiller et de jeûner, ce sont des techniques de typiques des initiations. Et d'ailleurs, Castaneda
pratiquent ces techniques, ou plutôt dont Juan fait pratiquer ces techniques à Castaneda lorsqu'il s'agit de préparer ou d'accomplir, de pratiquer des voyages hallucinatoires. Par exemple, ici, j'ai pris un exemple parmi d'autres. Castaneda se réveille après avoir mangé du peyote. Il se réveille dans une rivière et Don Juan lui dit « Tu dois tout me raconter » et il lui dit qu'il a essayé de « He had been trying to bring me back for 3 days » il essayait de le faire revenir pendant 3 jours. Donc, cette vision, c'est pendant laquelle Castaneda a dormi, a duré 3 jours. Dans une autre occasion, dans un autre concert, Dylan dit qu'il a trouvé cette chanson sur un bout de papier dans sa poche, comme si ce n'était pas lui qui avait écrit la chanson. Donc cette insistance sur l'expérience magique, presque paranormale de la composition de la chanson, sert à Dylan pour se présenter comme un apprenti sorcier qui a fait l'expérience, comme Castaneda, du pouvoir du Seigneur Don Juan. Mais il y a une différence non négligeable entre le Don Juan de Castaneda et le Seigneur de Dylan. Ce dernier, à la différence de Don Juan, n'a aucune réponse à donner aux questions que le protagoniste lui pose. Et surtout, il n'a pas de réponse à la question cruciale « Is there any truth in that, Seigneur ?» le résultat, on pourrait dire que le résultat de l'expérience initiatique n'est pas la vérité, mais c'est la chanson elle-même, avec ses questions qui n'ont pas de réponse. Mais en même temps, lorsque Dylan chante en 78 cette chanson pendant ce tour en Amérique, il se prépare à une expérience d'une autre phase de sa recherche religieuse, et dans la boîte à outils du bricoleur religieux qu'il est, il lui paraîtra d'avoir trouvé un outil pour accéder finalement à la vérité, au moins pour quelques années. Merci.